Hallelujah. Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. Hallelujah. Salvation and glory. Je chante ce cantique. Lève-toi comme Dieu te dira. Parce que je sais que tu ne feras plus d'offrande habituelle. Parce que tu n'as pas de cœur vraiment habitué. Alléluia. Et pendant ce chant, et tout ce qui s'est passé ce soir, je ne peux pas me taire. Je peux dire aujourd'hui que ma vie, c'est de servir. Quand je regarde ma nièce aujourd'hui, je regarde sa vie et son témoignage. Je ne veux pas me vanter devant vous. Mais devant les anges de Dieu, je peux taper la pensée. Alléluia. Parce que j'ai œuvré à ce qu'elle donne sa vie à Dieu. Amen. Et quand je la vois aujourd'hui, je vois comment nous pouvons louer, adorer le Seigneur ensemble. Je vois son ministère avec son mari. Je dis merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, amen. Quand il y a des soirées comme ça, n'hésite pas. Invite quelqu'un. Amen. Invite quelqu'un qui ne sait pas. Je vois sa vie, je réalise que s'il n'était pas en Christ, on serait en train de l'enterrer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui guérit, qui protège que Dieu. Amen. Et avant de chanter ce chant, et vous comprendrez quand vous écouterez ce chant, et que vous chanterez aussi parce que vous le connaissez tous, je voudrais faire un court dernier témoignage. Je le ferai très court, parce qu'il est tellement long. C'est que dans cette salle, j'ai ma soeur, ma meilleure amie, ma cousine, tout ce que je peux dire, qui est là. Et qui va se marier le 22. Son mariage est plus qu'un mariage dans la vie. Parce que l'année dernière, elle a failli mourir. L'année dernière, je peux dire qu'elle est morte. Et qu'à l'hôpital, Dieu nous amenait à prier et à dire, je ramène son âme à la vie. Elle est là, Marie-France. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais elle est là, Marie-France. Et quand je la vois, je vois ma nièce. Olay a chanté quelque chose, son épouse a chanté quelque chose. Elle a connu la solitude à l'hôpital. Elle a connu ça. Elle a été opérée en une semaine. Elle a eu 3 opérations. 4. En une semaine. À un moment donné, les médecins ont dit, on va en refaire une. Mais avant ça, Dieu l'avait visité dans le rêve. Dieu lui a dit que c'est une opération et qu'elle ne devait pas accepter. Et elle a dit au médecin, si vous m'opérez, mon cœur va lâcher. Et parce que Dieu est un Dieu qui révèle, elle est en vie. Amen. Et même à l'hôpital, on l'appelle miraculeux. Nous ferons des espoirs de notre Dieu. Alléluia. Toute seule qu'elle ne pouvait pas, il fallait des gens qui la soutiennent. Amen, amen. Toute seule, les gens qui sont autour de vous ne peuvent pas. Vous devez les soutenir. Amen. Je vais encourager les gens. Parce que même mon bébé, ma fille a 4 ans et demi, c'est un témoignage. Et les saints disent que je n'accouche pas. Donc ta vie peut être un témoignage. C'est un Dieu de miracle. Ce chant que je vais chanter, c'est le chant que quand j'avais 12 ans, j'ai essayé de chanter parce que mon cœur criait ce chant. Et il n'y a pas eu tout fait. Mais comme il ne m'a pas tué là, c'est terminé. Je vais développer ce camp. Pour le camp de l'éternel. Amen. Alors, prie sur l'offrande que tu vas apporter. Et dis, Seigneur, le miracle de ce soir, par cette offrande, j'active ma vie afin qu'elle devienne une vie de miracle continuelle. Alléluia. Pendant que je chante, sentez-vous apporter votre offrande sans votre corps. L'âme du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur qui t'aime, me voici, je suis à toi jusqu'au bout.